Votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Au Mali, un colonel de la junte conseille à la ministre française des armées de se taire. Un haut responsable de la junte au pouvoir au Mali a donné pour conseil le silence à la ministre française des armées Florence Parly, mercredi 26 janvier 2022, après ses accusations de provocation à l'encontre des dirigeants de Bamako. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement de transition du Mali, s'est livré mercredi 26 janvier 2022 à une charge virulente contre la France et sa ministre des armées Florence Parly, accusée de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux. Cette sortie a lieu en pleine dégradation des relations avec la France, engagée militairement au Mali et au Sahel. Cette détérioration s'est accélérée depuis que les militaires arrivés au pouvoir à la faveur d'un putsch en août 2020 ont révoqué leur engagement initial à organiser en février 2022 des élections, repoussant de 4 ans l'événement qui aurait ramené les civils à la tête du Mali. L'Organisation des États Ouest Africains, CEDEAO, a infligé le 9 janvier 2022 des sévères sanctions au Mali. La ministre française a accusé la junte mardi 25 janvier de manipuler les provocations. Nous invitons également Mme Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, a dit le colonel Maïga. Nous l'invitons également, c'est un conseil à faire sienne cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence, a-t-il ajouté. Possible référence du poème « La mort du loup » du poète français du 18e siècle. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse, dit le poème. Lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation, a-t-il dit en évoquant les sanctions de la CEDEAO. La junte demande au Danemark de retirer ses forces spéciales. Le colonel a donné lecture du communiqué redemandant avec insistance au Danemark de retirer ses forces spéciales récemment déployées au Mali sans avoir, selon la junte, le consentement des autorités. Ce que conteste le Danemark, la France et les pays européens engagés au sein du groupement des forces spéciales Takuba. Nous ne sommes pas encore au stade de l'incident diplomatique. C'est peut-être des incompréhensions entre le gouvernement du Mali et le gouvernement du Danemark, a-t-il dit. Mais il a dit que Bamako aurait été droit de recevoir des excuses des autorités danoises. Il a évoqué que la très bonne réputation au Danemark, au Mali, en raison de son action en faveur du développement. Nous les invitons à faire attention à certains partenaires qui ont du mal, malheureusement, à se départir des réflexes coloniaux, a-t-il dit. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci.